Bien le bonjour et bienvenue dans le bordel de Benoît Blanc. Et aujourd'hui on est en mode gueule de bois. Allez, c'est reparti. Là je suis au troisième niveau actuellement. C'est quand je suis dans la prison et que je dois m'échapper du camp alien. Entering death now. Je vais me laisser mourir pour renaître avec plus de vie. Voilà. Hop. La vie. C'est vrai que ce niveau il est chaud parce qu'en fait je dois commencer en à patte en fait. Vous allez comprendre. Tiens, le truc c'est d'esquiver, c'est de tirer tout en le tapant. C'est assez dur. Ah, ah mais ça, ah bah ça y est, c'est fini, je peux recommencer je pense. À moins que vous savez quoi, je vais me refaire mourir. Mais je crois que j'ai trouvé la solution à mes problèmes. Damn it. Hop. 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 Je prends le gueflin. Voilà, j'aurais dû faire ça dès le début. Oh putain. Il fallait me crever l'enfoiré quand même. Voilà. Ça c'est plus cool déjà comme arme. De ce tremont. Oh putain, j'avais pas vu lui. Là j'ai mon bureau qui me fait chier. Hop, plus beaucoup de munitions déjà moi. Là bas il y a le medikit. Oh putain. Personne là. Shadow Knight. Putain, là je prends cher par contre. Ouh. Alors un monstre vraiment dégueulasse, satanique et tout. Ah. Oh, m'a mis lui par contre, m'a défoncé. Ouais. Voilà, hop. That's one doom. Eh ouais, Chengum Kenan. Ça, où est-ce qu'elle est sortie? Ah voilà. Ah, oui. Vous avez vu la maîtrise ou quoi? C'est bon, je suis refait. Ah bah elle est pendue. Oh la chance. Elle avait trop une vie atomique. Bah là je suis refait niveau vie, même si j'ai plus beaucoup de munitions, là je suis refait. Putain. Évidemment c'est quand je dis que j'ai beaucoup de vie que je me fais tirer dessus. Je vais laisser tomber ça, est-ce que ça marche pas? 3. Ok.
Il n'y a que ça de vrai, foncez dans le tas. Et là-bas, je pourrais toucher. Tiens, qui en veut plus? Tiens, t'as un autre qui suit. Enfin, un truc secret là. Drake a écrit des trucs contre le mur. Behind the babe. Ah, derrière la madame. Désolé madame. Bah quoi, derrière la madame? Y'a rien derrière la madame. Ah, behind the bed. Oh, la chance. Paye ton, ton cache grenade de fou. Un petit pissou et c'est reparti. Much better. Ah ouais, tu m'étonnes que ça va mieux. Oh putain con. Ya. Ya. Y'a Tommy là-haut. Oula, ça bug. La petite carte. Bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Moi je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à galérer. Ouf. Où il sort lui? Bon lui, on va jouer la carte de la facilité. Parce que je sais pas que j'ai beaucoup de vie mais j'aimerais la garder. Non 3, je galère avec la molette. Faut le faire ramener. Non, faut le faire ramener sur le truc. Ah putain, j'ai ma souris qui bug. Vas-y, approche-toi, approche-toi. Et pourquoi ça, ça le fait pas exploser? Parce que normalement il doit péter sur le laser là-bas. Bon bah. Je crois qu'il est bugué ce laser. Bon évidemment si j'ai dessus moi je vais exploser. Ah bah non. Je tiens à dire que c'est Shozunai quand même parce que... En mode super dur ça sera encore plus... horrible. Non, deux. Oh putain con, putain con, putain. C'est chaud de night là. Hail to the king, baby. Allez, ça c'est les bottes de fou pour la plongée. Ah non, la plongée c'est pas ça je crois encore. Petite fuite sympathique. Faut pas prendre une douche. Ah ah, vous êtes trop deg. Ah
Ça par contre, les lasers qui viennent de se mettre, je les avais jamais vus. Il a même pas explosé ce bâtard. Je fasse attention quand même parce que j'ai pas envie de crever comme un idiot. Ah mais on est de retour ici. Tiens. Tiens. Il n'y en a pas plus, ça m'étonne. Come get some. Petit gueflin. Bon, là par contre ça m'étonne vraiment que j'en ai pas trouvé plus de méchants ici. Ah, ça c'est bon ça. C'est quoi ça? Ah, une seagull. Come get some. Là faut faire attention parce que je sais qu'il y a des trucs volants casseurs de gueule là. Apparemment on peut pas le casser en plus. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Ils sont trop chauds à viser ces connards volants. Avant de me les prendre sans que je m'en rende compte, je préfère les faire exploser. Là on va y aller au fusil à pompe parce qu'il y a que ça de vrai. Mais je crois que c'est le chef des méchants ça. Oh putain, il sort d'où? Me soigner, hop, petit kit de soins, plus 10 de vie. Elle est où les méchants? T'es où les méchants? Oh, il est là-haut. Elle est méchant. Est-ce que t'es? Wow. Ben oui, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ah, ça par contre, toi, je t'ai vu. Il n'y a pas une autre de l'autre côté. Ah, ça c'est cool. Une petite pipe bomb. Ça par contre, je savais pas qu'il y avait des trous ici, vous voyez. Et là, qu'est-ce que je suis censé comprendre là? Pourrait-on m'expliquer? Comment je fais pour voir si j'ai les cartes que j'ai acquises et j'en ai plus? J'utilisais la bleue, la jaune, la rouge. Bah ouais, je les ai toutes utilisées déjà les cartes. Ouais bah maintenant faut faire le truc ouais, le truc que je galère à chaque fois à ce niveau, c'est... J'ai depuis quelques fruits, c'est assez chiant. Ce bordel...
Oh putain, mais c'est tout ouvert. Oh nom de Dieu. Voilà, hop. Petite grenade. Holy shit. Ça marche bien, hein. Oh putain. Pourquoi ils veulent pas s'ouvrir? Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Salut! Là c'est la gratuité de tout, ouais, tu fais coucou, c'est moi. Coucou, c'est moi. Coucou, c'est moi. Encore avec les connards volants là en plus. Pef! Oh, raté. Ouais, il se masturbait le petit bâtard. Passage secret. Je croyais que je l'avais pas vu. Comment je fais déjà pour ouvrir l'autre côté, je sais plus ça. Ça commence à me stresser, les trucs là-bas. Ça ne veut même pas s'exploser. Ah, je dirais bien ces quelques gus qu'il y a là, mais... C'est honnête. Ah, je comprends mieux. Comment que je fais moi maintenant? Je sais plus comment on fait ça. Aucune idée. Ah voilà, c'est peut-être ça. Ouais, c'est trop ça. Voilà, parce qu'il y en avait deux. C'est bon. J'ai pris con. Damn, I'm good. Piece of cake. Come get some. Oh, celui-là j'ai déjà fait, c'est celui-là là-bas que je dois aller faire. 4, ouais, c'est une mitrailleuse. Oh putain, j'avais pas vu d'où il sort lui. De garder quelques munitions parce que tu commences le niveau avec ce que tu avais au précédent, et c'est pour ça que j'aimerais en garder quelques-unes. Bon, là-dedans il y a un monstre, ouais, je suis sûr qu'il y en a même deux. Pas, donc j'ai déjà tout à fond le flingue. Pop, encore un progression, truc bizarre. Hop, j'ai marre de bugger. Deuxième, j'y fais sa fête aussi. Bon, pour l'instant ça se déroule plutôt très bien, même j'ai envie de dire. Je perds un peu trop de vie des fois, mais pour l'instant tout se passe pour le mieux. RPG. Par contre, je me souviens plus du tout où est-ce qu'il faut aller pour aller au sous-marin, parce que je sais qu'il faut aller à un sous-marin, mais je sais plus du tout comment on y fait pour y aller. Je sais que c'est par une de ces trucs là. Putain, je suis encore touché.
saloperie. Ah mais c'est ça. C'est pour ça aussi qu'il y avait les saloperies. Normalement c'est ça. Ouais c'est trop ça. Faut encore en faire un. Faut encore tout faire péter. Là c'est les putains des goûts acides de fou là. Oh putain. Là c'est la saloperie, j'ai essayé de la défoncer avec le lance-roquette. I think I'll climb aboard. Ah j'ai loupé comme un bleu. C'est pas que je veux faire le campeur mais c'est que c'est dur. Surtout la grosse bestiole d'en haut en fait qui me fait peur parce qu'elle fait très très mal celle-là. On n'est pas des PD. Eh m'a donné un coup, elle m'a enlevé 32 vies déjà. Et en plus maintenant elle est en haut de moi cette connasse. Voilà. Bon, je me suis plutôt pas mal débrouillé. Y'a combo de fou. Ah voilà. Voilà. Pas de la vie par là parce que je vais être dans la merde sinon. Ouais j'ai voilà. Ah j'ai tout fouillé pour retrouver de la vie parce que sinon je vais être trop dans la merde. En plus au début comme j'avais plein de vie j'ai dû en laisser quelques-unes de trucs. Ah voilà. Ouais j'avais raison, j'en ai laissé quelques-unes. Là je sais pas si j'en ai laissé. Je ne pense pas. On va vérifier. Ooh, Space Marine. Ok. Bon, je savais pas que les trucs étaient satanistes. Ouais, voilà, c'est mieux quand c'est pas sataniste. Par là, ça m'étonnerait aussi beaucoup que j'en ai laissé de la vie. Ouais. Ça m'aurait fortement étonné. Bon moi j'ai récupéré un peu de vie. Bon j'espère que ce playthrough vous plaît. Même si j'ai pas vraiment grand de sujet à dire si vous en avez pour pauvres ans. Yeah. Oh il y en avait trop là, je suis trop con. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ya. Putain. Ah. Que je me disais, il y a bien quelque chose de caché. Voilà. Et lui, il s'était caché derrière là-bas. Je croyais que je l'avais pas vu. C'est vrai que j'ai une mission au taquet.
Ça, parce que là je suis content parce que je repars pour le deuxième. C'est le quatrième niveau. Avec quand même une belle panoplie d'armes. Je vais pouvoir le faire tranquille Raoul. Auto-destruction! Maintenant, la musique de la victoire. Bon bah voilà, l'épisode est fini. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite à bientôt pour un nouvel épisode de Duke Nukem Atomic 3D Megaton Edition dans le bordel de Benoît Blanc. Et j'ai tué 80 ennemis, j'en ai oublié 7 que je ne sais pas absolument pas où est-ce qu'ils sont. Secret trouvé 5, les secrets ratés 5, je suis dégoûté. Il y en a quand même beaucoup hein, que je connaissais pas parce que j'ai fait tout ce que je connaissais et apparemment il m'en manque 5 encore. Best time. Ah, voilà, c'est vrai que j'ai pris mon temps quand même. Bon ben, je vous souhaite à la prochaine et pour de nouvelles vidéos.